Aujourd'hui, on est là surtout pour protéger les arbres avec les protections qui sont là. Et mettre des clôtures autour de la zone de pépinière et autour de la mare et de la mini forêt. Il va y avoir trois équipes. Une équipe qui va passer avec un décamètre et une baramine pour mesurer tous les 3 mètres. La deuxième équipe passe derrière, enfonce des piquets à la masse. Et la troisième équipe passe avec la clôture, tend la clôture et cloue le... Alors la troisième équipe, il faudra qu'il soit 3. À la baramine, il faut être 2. Et à la masse, je pense que c'est bien les 2 pour que ce soit plus sympa. Quoi. Pensez que dans les angles, il faut un piquet plus 2 piquets d'angle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont une préférence de... d'activité? Moi, le piqué, je sens bien le piqué. Ouais, tu sens bien le piqué? Ouais. Ok. Entre les lignes d'arbres, de distance entre eux sur la ligne, hein. Et entre les lignes d'arbres, il y a 15 mètres. Il faudrait une équipe qui se mette là, il y a un décamètre dans la voiture et qui essaye de pointer le premier arbre ici. Une fois qu'on a pointé le premier arbre, on pointe le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Est-ce que tu peux filer une ficelle pour qu'il contrôle la distance ici là? Dans l'absolu ça va, hein. C'est pas trop la cata. C'est bien là. Donc là c'est bon, ok. Pousse-toi, je veux rien savoir. Elle veut faire. Sont à pied joints. Elle veut faire.
Avec ses 56 mètres bon. Mouillés, elle veut faire. Vas-y Claire, oui. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on a fait du coup ce week-end? On a tenté des piquets, ouais. On a tiré les grillages. 300 mètres. On a brûlé du bois. Non, 200 mètres de clôture. Les pointes des piquets, on a brûlé. On a fabriqué les arbres. On a protégé les arbres. Mais tu parleras quand ce sera ton tour. J'ai déjà parlé moi. On a nettoyé une bergerie. Non, pas une bergerie. On a bu des vins chauds. Et c'était hyper satisfaisant quand même à la fin de la journée de voir tout. Ouais. Enfin, moi j'étais épatée. J'ai planté des fruitiers aussi hier. Non, c'est le différentiel en fait, ouais, bilan personnel de ce qu'on a, ce qu'on évalue matin, avoir fait, et on prend le recul et on voit tout le périmètre, clos, propre, nickel. Une journée à 15, ça a dépassé. Oui, tu y es là. Bonjour. Bonjour. Voilà un bel ébouriffage. Il sort de son pot. Retrouver voilà, la terre. Ouais, mais tu vois, il a un gros chignon, quoi. Il a un gros chignon. Le chignon, c'est les racines qui tournent parce qu'il est resté trop longtemps en pot. Donc les racines tournent autour, quoi. Et puis ça s'étouffe, donc faut défaire le chignon, les chignonniers. Ouais. Ouais. Deux, trois. Hop. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici sur ce terrain? Quelques alignements d'arbres. Et ils vont servir à quoi? Bois de chauffe, ouais. Essentiellement. Et l'héritage des enfants de Pascal. Taillé en trogne. Et essence alluviale, je crois qu'on dit. Ils se plaisent en milieu. En vallée. En vallée fluviale. Et en zone humide un peu. Ouais. Donc aulne, frêne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des féviers. Érable. Diversité, quoi. On en a oublié. Ouais. Ouais. Polonia. Polonia, bien vu. À deux, on y arrive. Polonia. Oui. Polonia, ils ont presque tout dit, toutes les. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais là, Nico? Un trou. Je fais un trou pour planter un Polonia. Ok. Je connais pas cette essence d'arbre. Moi non plus. Donc j'ai hâte que ça pousse, hein, pour voir ce que ça donne. Et une trogne, c'est un arbre qui va vivre plus longtemps. Parce qu'il y a pas de, il y aura peut-être moins de prise au vent, il va être plus soigné. Et l'idée de retailler la repousse, ça va revigoriser l'arbre à chaque fois. Et donc ça va faire des arbres, des poussons plus épais dans le tronc, avec des branches fines, donc des poussons plus de stabilité, on va dire. Mmh. Et à long terme aussi, en termes de diversité, ça a créé des niches écologiques parce que la fermeture de la trogne, quand il va se refermer autour d'une plaie, finalement ça va créer des cavités pour des animaux, pour la faune. Fest hela, det är mjöl från livets kropp kvar.